Alors aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie d'une personne formidable que vous connaissez peut-être. Hein, son visage ne vous dit-il pas quelque chose? Alors, on t'a vu dans quelle émission? Dans Les Marseillais et Les Marseillais contre le reste du monde. Exactement. Donc, je suis en compagnie de Manon, dite Manon Van, qui a elle-même sa chaîne YouTube et qui, au passage, m'a fait ce super maquillage aujourd'hui que je vous propose d'aller voir directement sur sa chaîne où elle en a réalisé un tuto. Alors, aujourd'hui, on a dit qu'on allait tester un produit qui fait fureur sur Instagram. Et tout ce qui fait fureur sur Instagram m'interloque beaucoup, comme vous savez. Donc là, je me suis dit qu'on allait tester ensemble. Et il s'agit de roulement de tambour. La cire indolore. La cire indolore, exactement. Donc, bon, pour tous ceux et celles qui ont l'habitude de s'épiler, vous savez que c'est fastidieux et que c'est douloureux, extrêmement douloureux. Du coup, moi, ça m'a vachement intriguée parce que ne supportant pas vraiment l'épilation, je suis vraiment pas coutumière, je me suis dit, une cire indolore, il faut absolument que je teste, quoi. Parce que si ça peut être pour moi, je n'attends que ça. Donc du coup, il existe plusieurs marques de cire indolore. Moi, vous me connaissez, hein, efficacité et pas cherdise. Donc du coup, je suis allée sur Amazon et j'ai déniché la cire que voici. Voilà, Manon, tu nous présentes la cire. Bah, tu connais ce genre de cire? Donc c'est une cire indolore, donc jetable. Ouais. Donc c'est une cire en fait sans bande que vous utilisez une fois et que vous appliquez avec des petites spatules en bois. Les gens vont crier au partenariat alors que pas du tout en fait. Du coup ça je l'ai acheté comme je vous expliquais sur Amazon parce qu'il y avait plusieurs sites sur lesquels on pouvait commander mais je savais pas me décider très sincèrement. Donc j'ai trouvé cette cire qui coûtait 10 € les 200 grammes. Donc là on vous montre un paquet mais en réalité c'est vendu sous lot de deux, vous en avez deux comme ça. 200 grammes pour 10 €, toi t'en penses quoi? C'est bon rapport qualité poids ou pas? Je savais pas que ça se dit. D'une, ça se dit pas. Ah oui, voilà, c'est pour ça que ça me fait rire. Je voulais dire prix en rapport à la quantité. Bon, bref, on se sera compris. Est-ce qu'au niveau du poids, 200 grammes pour 10 €, ça te choque, toi? Ça me choque pas forcément, étant donné que dans les grandes surfaces, on a aussi des petits pots. Ouais. Pour un prix beaucoup plus cher que ce qu'on peut avoir là. Ouais, je confirme, j'ai jeté un pot de nerf que j'utilisais même plus, que j'arrivais plus à finir. Je l'avais payé, ouais, c'est ça, on a disait dans les 17 €. Ouais, entre 10 et 17 €. Un petit pot pour s'épiler, donc là, ouais, 10 balles pour 200 grammes, à voir, écoutez. Alors, d'après ce que disait le vendeur sur Amazon, c'est une cire qui est composée d'éléments naturels, donc ça peut être un point assez positif pour les personnes qui y prêtent attention. Elle contient de la camomille, elle n'irrite pas la peau, elle hydrate, elle est sans risque d'allergie et elle est utilisable sur n'importe quelle partie du corps. Ça aussi c'est hyper intéressant en fait, hein, c'est du full. Parce que toi tu m'expliquais en tant que professionnel qu'en fait il y a des zones qu'on utilise avec bande et il y a des zones qu'on utilise sans bande. Là au moins on peut tout faire avec. On peut tout faire avec hormis les jambes. Parce que ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va prendre aussi beaucoup de produits pour au final pas grand chose. Ça serait moins rentable en fait de faire une cire jetable sur des jambes que sur un maillot ou des aisselles ou sur une partie du visage qui est quand même une zone beaucoup plus petite que les jambes. Alors nous aujourd'hui, on va faire un crash test, d'où le titre on teste. On va se servir d'un Yeti. Alors on va faire une aisselle avec ça. Et on va comparer avec la cire indolore et on vous dira si réellement c'est une cire indolore, oui ou non, ou si c'est juste un coup marketing. Donc l'esthéticienne, elle est prête? Bien sûr. C'est à toi qu'il faut poser la question. Bon allez, à la guerre comme à la guerre, c'est parti. Bon du coup on va se faire une belle piqûre de rappel comme on disait. On va commencer par la cire qui fait mal. Je suis pas pressée. À un moment faut mettre du talc. Mais bon, mais après c'est les cires, enfin nous en institut on fait comme ça, mais là les cires comme ça je pense pas qu'il y ait besoin. Ouais. Parce qu'elles sont beaucoup plus fortes les cires qu'on a. D'accord, et le talc en fait c'est pour... Ça apaise, ça prépare la peau en fait, pour les rougeurs etc, tu vois. D'accord. Et même quand tu finis d'épiler en principe, tu mets du talc aussi pour apaiser. Et après tu mets un petit coup de biafine, tu vois. D'accord. Ouais, j'ai plus peur de celle-là que de l'autre en fait. Alors... Donc je vous rappelle que celle-ci, elle fait mal. Enfin, c'est la cire classique, quoi. Ah, ça fait pas mal, t'as vu? Pour le moment. Ouais, pour le moment. Je vais me faire la maline, là. Tu es prête? Ouais. Attention que je te mets pas un coup de... Ah, ça va. C'est parti, hein. Ça va. Peut-être t'as le geste, hein. C'est vrai que quand on se le fait faire par quelqu'un, ça va. Regarde.
Ouais. Et... Par contre, ouais, il en reste. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, on n'enlève jamais tout d'un coup. Parce qu'en fait, si tu veux, le bas, il pousse comme ça. Exactement. Et là, ça pousse vers le haut. Exactement. Du coup, en fait, si tu fais toute la bande, tes poils, ils se cassent. Certains de tes poils vont s'arracher comme il faut au bulbe. Oui. Et d'autres vont se casser. Et c'est pour ça qu'aussi, justement, sur les aisselles ou le maillot ou même le visage, et plus les aisselles et le maillot... Oui. On utilise la cire sans bande pour pouvoir vraiment la travailler comme on veut. Parce qu'une bande en soi, comme ça, tu peux pas la travailler comme tu veux. Pour une cire qui doit faire mal, j'avoue que quand on est avec un professionnel, ça passe. Je pourrais faire une pub maintenant. Donc voilà, on l'a fait chauffer au bain-marie parce qu'apparemment c'est un peu mieux que le micro-ondes. Ça aura tendance à ressécher un peu vite que là, bah, vous pouvez le laisser dans... En température ambiante. Voilà, en température ambiante, comme elle le dit si bien. On va voir si effectivement cette cire est efficace, mais surtout indolore, parce que moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Allez, j'ai fait mon test. Alors... Est-ce que c'est pas trop chaud? Non, 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 c'est comme il faut. Tu vois là vraiment, on travaille la cire, bah... Comme on veut, on peut faire la bande plus ou moins grosse. En principe, on fait 3 bandes. Ouais. Une en bas, une en haut, et une au milieu. Ben, je trouve que c'est un peu pareil au niveau de la douleur. Mais d'un autre côté, je m'y attendais dans le sens où je vois pas qu'est-ce qui aurait pu faire. Enfin, je vois pas ce qui aurait pu rendre la cire sans douleur. Toi, t'en as jamais vu des cires indolores qui vraiment sont indolores? Non, il y a rien. T'as des cires pour les peaux sensibles. Ouais. Donc des peaux qui ont, enfin qui ont beaucoup de rougeur, ouais. Ou qui sont très sensibles à la douleur, mais après, enfin une cire en soi, ça reste une cire. Exactement. Ouais. Ça fera quand même toujours mal, hein. On arrache un poil, donc. Ouais, y a pas de, enfin parce que en fait, si tu veux, moi ce que je m'étais imaginé, c'était une cire avec. Je sais pas moi, de la lidocaïne ou un truc anesthésiant dedans qui fasse que ça, ouais, que ça rende la chose moins douloureuse. Mais ça reste tellement pas longtemps la cire sur la peau au contact. Non. Ça va, mais on ressent quand même cette sensation de poil arraché. Donc pour moi, qui suis actuellement en plein test, l'appellation sans douleur n'est pas méritée. Après, j'ai l'impression que ça arrache mieux, j'ai l'impression que je sens mieux le décollement. Ouais, parce que là en fait vraiment avec la spatule, du coup on appuie. On appuie vraiment, ouais. comme on veut appuyer. Et puis vraiment, on englobe bien le poil de la cire. Bon, ben voilà, le crash test, il est terminé. Comme je vous l'ai expliqué, satisfaite de l'épilation. Ça, c'est clair que pour épiler, c'est vraiment une cire géniale qui, comme disait Manon, va bien enrober le poil et tout parce qu'on le fait à la spatule. Mais du coup, toi, Manon, tu n'y as pas un peu cru? Parce que moi, je vous avouerai que j'y ai cru. Je me suis dit, putain, on a fait une grande avancée en cosmétologie. Oui, ça se dit. Ça se dit, cosmétologique. Mais je suis sûre que j'ai eu un doute. Donc du coup, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas eu une énorme avancée en cosmétologie? Et je t'avouerai qu'une partie de moi avait envie d'y croire. Surtout quand je voyais sur Instagram, là, qui se faisait des tests sur les avant-bras. Mais de partout, même les hommes, la barbe. Toi, tu n'y as pas cru quand je t'ai annoncé qu'on allait faire une cire, là, sans douleur? Alors, pareil que toi, j'ai un côté... Ouais. Qui me dit oui, enfin oui ça va marcher parce que c'est vrai que ben on avance dans la cosmétologie, donc je me dis pourquoi pas. Ouais. Mais d'un côté je me dis que c'est pas possible parce que une épilation ça fait jamais du bien. C'est donc vrai. L'un dans l'autre, voilà, j'étais un peu hésitante. Ouais. Bon ben voilà, comme quoi hein, il fallait tester pour savoir. Maintenant c'est chose faite. Donc si vous êtes à la recherche vraiment d'une cire indolore, ça n'existe pas. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Voilà. Écoutez, on espère que ce test vous aura aidé, vous aura renseigné. Je vous laisse à disposition la totalité de mes réseaux sociaux si vous voulez venir me suivre au quotidien. Et je vous laisse également ceux de Manon juste en dessous. En attendant, on vous fait de très gros bisous et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo sur nos chaînes respectives. Bye bye.